Aurélien, aujourd'hui, je vais faire quelque chose que tu ne devrais jamais faire dans la vraie vie. Je vais faire une blague à ma mère. Ouais, parce que mon ami Charlie m'a demandé de le faire. Bienvenue, Fuel Jumper. Salut. C'est un jeu sur... En fait, bien pas besoin de le dire, parce qu'en fait, t'as déjà lu le titre. voilà, donc tu sais exactement quoi faire, en fait. Hein. Faire une blague à ta mère. Faut pranker ta maman. Ok. Oh. Oh, c'est chez moi? Charlie, c'est Charlie qui est. Est-ce que tu veux faire une blague à ta mère? Ce serait vraiment drôle. Ok, Charlie, pas de soucis. Ok, allez dans la chambre de votre mère. Waouh, donc je dors dans le garage. D'accord. Ok, voilà le mérite que je lui fasse une énorme blague. À faire régler la minuterie, d'accord. Oh, ça c'est moi et ma maman, d'accord. Ok, très bien. Ah, c'est déjà mieux comme ça. Ok, ça parce que ça faisait un peu... Maman, c'est normal que tu t'es éteint. Bon, ok, donc là, c'est chez moi. Ouais, ça, c'est grand, ouais. Ouais, on est bien, ouais, tu vois. Ok, il y a un peu de thune, là. Je prends de la thune aussi. Parce que c'est un fauteuil Casper ou quoi. Alors, je sais plus. Où est la maman? Maman! J'entends dormir. Oh la vache, comment elle ronfle. Attends. C'est un hippopotame qui ronfle ou quoi, là? Maman! Il me faut une clé pour ça. Ok, il faut que je trouve la clé de la chambre de maman. Je l'entends ronfler à travers le mur, c'est horrible. Alors, waouh, mais t'as l'air de faire tellement de trucs. Ne va pas à l'ordinateur après avoir mangé. Ok, d'accord. Y a trop de trucs, c'est génial. C'est quoi ça? Robux. Oh, let's go, tu peux fouiller les tiroirs et tout. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de manières de pranker sa maman. Du coup, on va en faire un maximum. Ok. Oh, c'est Max. Ouais, il est temps de réveiller Max et de ruiner son sommeil. Ah, je ne le ferai pas. Il m'aide à faire des farces à maman, au moins. Ouais, c'est vrai. Alors, on l'appellera plus tard. Attends, si j'allume la lumière. Max, ça va, Max? pas l'air de le déranger. C'est quoi, c'est lui et moi, ça? Ouais, c'est un dessin. Ok. Il devrait quand même le vendre. Ouais, c'est une œuvre d'art. Sa place est dans un musée. Ça serait pas la clé? Ouh, le bruit que j'ai fait. Je pense que j'ai réveillé la maman, là. Non. J'ai besoin d'une clé. Et ça, c'est quoi? J'ai une clé, hein. C'est pas du nougat, ça. Yo. Maman! Regarde-moi pendant que je te parle. Ça va, maman? Tu fais flipper. Qu'est-ce que tu fais? En fait, je faisais juste des devoirs. Je les ai oubliés. J'ai fait tomber la lampe sans faire exprès. Tu n'as même pas de devoir, espèce de menteur. Ah, peut-être que j'aurais dû déplacer la lampe en premier. Ah. Qu'est-ce qu'elle va dire? Tu vas mourir! Non, maman, s'il te plaît, calme-toi, prends les pilules! Calme-toi! Qu'est-ce que... Je suis mort! Elle m'a tué, j'ai eu la faim, maman! Mais quoi? Tu as fait trop de bruit! Non, mais sérieux! Et il y a 24 faims! Ok. Ok, oh, t'as... Ah, c'est la salle de trophée, excellent. J'ai eu la faim, maman. C'est fait attraper en 4K. Ok, ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Il y a un réveil à faire régler, c'est la minuterie. Ok, ok. Très bien, ça, je peux toucher. Nice. Oh, je sais pas, il est... Dans la musique. De la thune, hein. Excellent. Oh, le frigo. Waouh, le sprite est meilleur. Mais bon, hop, je prends ça. Ouah, je me sens mieux. Mettez le bloc cicola. Comment ça? Sur la plaque? Ne mets pas un bloc cicola sur la cuisinière. Ça rend maman folle. Max. Oh, je vais faire tout le contraire. Hop. Allez. Let's go. Voilà. Sa maman va être bien, bien contente, là. Quoi dehors? Je peux allumer la lumière? Qu'est-ce que... Pourquoi les lumières sont rouges? Ça fait flipper. Ça fait flipper, c'est quoi ça? Ça va? C'est les ampoules rouges? Wow. Oh, ça prend feu! Ah! Oh, une clé! Clé porte, excellent! C'était peut-être la clé pour pranker maman. Il y a des placards? Ah ouais. C'est marrant, ça... La maison va exploser! Elle va prendre feu, la maison, là. Je sais pas comment elle va pas être contente. Ah, y'a le feu, maman! Sans l'extincteur! Ah. Et j'ai eu la faim! Enflammé et brûlé toute ma maison! Petit problème, non? Ok, du coup, j'ai obtenu un trophée. Oh, d'un perso. Un animatronique. Brûlé. La maison a été incendiée. Non, c'est pas glitch trap. Attends, vous permet de déplacer gratuitement vos souris. Waouh! Ok, je peux déplacer ma souris, très bien. Alors, donc j'ai vu que. Il y avait une clé ici. On peut pas faire un truc avec le mixeur? Ah non, le placard. Alors ça, je prends. Oh, c'est à moi maintenant!
Attends, c'est pas genre la clé de la chambre de maman? Oh, à tous les coups, si. Elle dort. Oh, je peux prendre qui ma mère? Ah ah! Oh, elle est là, elle dort. Je peux la pranker? Pourquoi tu m'as réveillé? Elle fait flipper avec ses yeux. Rien, je voulais juste te dire. C'est juste une blague, maman! Ne le prends pas trop au sérieux! Je dois prendre soin de toi tous les jours, et c'est comme ça que tu m'en remercies? Qu'est-ce que. Maman, calme-toi! Maman, ça va aller! Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi ça? Oh, y'a des autres trucs ici! Oh, elle m'a fait exploser! Mais sérieux, maman! Contrôle tes pulsions! Et obtenir une blague idiote! Let's go! Attendez, les amis, on va essayer d'aller voler la carte de crédit de la maman là! Let's go! Maintenant, pourquoi je devrais l'utiliser? Oh, acheter des trucs sur internet, non? Je vais juste faire un tour à un organisme de bienveillance ou quelque chose comme ça. Ah, je vais faire un tour à une association. Et voilà! Très bien! Maman est fauchée maintenant! Oh non! Maman! Derrière toi! Salut maman, ça va? Tu vas être content, j'ai fait quelque chose de bien. Attends, quoi? Quoi? Il est écrit sur mon téléphone que tu es fauché, Armand. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as ruiné! Non, mais je voulais juste faire une bonne action! Non, je l'ai pas fait, tu vas t'énerver. Attends. Tu vas t'énerver même si je ne l'ai pas fait. Attends, quoi? Hé, hey, maman, mais qu'est-ce que je pense de toi? Quoi? Voilà, t'es nul! Attends, quoi? Qu'est-ce qu'elle va dire? Tu vas mourir! Non! Oh là 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 là! Mais sérieux! En fait, je me suis fait arnaquer, c'est un hacker! Oh, j'ai eu la fin charité! Attendez, les amis, je me demande si la clé là, qu'il y avait au niveau du lampadaire, c'était pas pour aller dehors! Attends, donc là, alors par contre, là direct, je bouge la lampe. Voilà, et là je peux prendre la clé, voilà. Comme ça, oh, je vais prendre un peu de Robux. Je vais pas pouvoir faire de bruit et je vais pas réveiller maman. Ok, oh, dis-moi que c'est la bonne clé. Elle est géante la clé en vrai hein. Oh, génial. Je n'ai plus à être dans cette poubelle de maison. Excellent. Bonjour les citrouilles, faites ce que vous voulez. Waouh, je peux me balader et tout. Il y a une boîte aux lettres. Ok, on va voir ce qu'on a là-dedans. Alors, il y a quoi dans la boîte aux lettres? Très bien. Ok, des trucs pour maman, encore des trucs pour maman, encore des trucs pour maman, d'accord, besoin d'aide, quelque chose, hein, nouvelle partie du lieu de travail pour maman, quelque chose de plus indien, hein. Ah ouais, y'a plein de trucs, ça rien de la pub. Eh bien, c'était vraiment une perte de temps, hein. Ok, donc y'a rien là-dedans. Et... Monsieur, bonjour. Vous êtes... Oula, ça va? Bonjour. Voulez-vous aller quelque part dont on parle pas d'ici? L'endroit s'appelle The Pit. En avez-vous entendu parler? Laisse-moi réfléchir. Non. Tu n'as pas le temps, peu importe. Voulez-vous aller au The Pit? Oui? Attends. Ouais, je voudrais bien, mais. Je peux pas. Comment? Ah, bien sûr! Bien sûr, où est-ce que c'est? Où est-il? Oh, y'a un rat là-bas. Génial, nous y allons. Waouh! Je vous regarde déjà en fait! C'est quoi cet endroit? Waouh, c'est trop bizarre! Ouah, mais les potes, on est arrivé où là? C'est un labyrinthe ou quoi? On dirait quand même vachement un labyrinthe. Hein. On dirait une décharge, ouais! D'accord, il y a des poubelles. C'est une décharge géante. Oh! Qu'est-ce que. Ah, attends, je vais frapper quand même. Bonjour! Je peux rentrer? La porte est ouverte, allez-y! Il fait si froid ici! Vous pouvez me faire confiance! S'il vous plaît, c'est que vous pouvez, s'il vous plaît. Je veux juste un peu de chaleur. Est-ce que c'est beaucoup de demander à Jackman incroyable? Ah mec, est-ce qu'il va bien? Ça va? Il a pas l'air très bien. Il est devenu fou, on dirait. Désolé, mais... Je suis un peu débordé ici. Voulez-vous quelque chose pour vous sentir un peu plus chaud? Yes. Oui, s'il te plaît. Je vous supplie, j'en ai besoin, s'il vous plaît. Qui c'est qui sonne? C'est quoi ça? C'est là? J'ai entendu un drôle de bruit. Ok. Bon, il faut lui trouver un truc pour qu'il ait chaud. D'accord. Il s'est fabriqué sa maison lui-même en fait. Hein. Faudrait lui trouver une espèce Comme un briquet, tu vois. Il se fait un feu de camp comme ça. Ou un radiateur. Avec une grosse rallonge. Qui veut ce que chez moi. Ok. Oh, c'est quoi ça? Waouh, c'est énorme ici. Il y a un mot par terre.
Ma mère déteste quand je tombe dans les flaques d'eau. Ne les touchez pas. Oh ah ah, ah, j'en ai plein, plein vêtements, je suis tombé. Ah, cet endroit est vraiment nul. Oh, y'a Sans. Hein? Maman. Mais attends, mais... Qu'est-ce que tu... Tu es tout sale. Tu as sali la maison en rentrant. C'était des nouveaux vêtements. Je vais dans ma chambre. Excuse-moi. Moi. Oh. Qu'est-ce que c'est? Je suis ta mère. Est-ce que tu l'as déjà oublié? Ouais, mais bon, c'est vraiment une porcherie ici. C'est tout. Et je suis ta maman, blablabla. À chaque fois que tu me dis ça, j'en ai marre que tu trouves des mauvaises raisons. quoi? Qu'est-ce que c'est? Attends, elle va me virer de chez moi? Oh, non. Comment ça? Toi, tu restes... Mais tu passes tes journées assis dans ta chambre, en train de jouer. Mais c'est parce que tu me laisses jamais sortir dehors, maman, c'est normal. Ah ouais, très bien, bah tu m'as convaincu. Elle va me virer. Qu'est-ce que c'est? À moins qu'on gagne à la loterie, de toute façon, c'est... y'a rien de plus... y'a rien à faire ici. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce que... Je m'en vais? C'est ça, je vais partir moi-même. Pas besoin de me virer, non, je m'en vais moi-même. Regarde, les yeux qui est là. Ok. Bon, non, en fait, très bien. Je vais dans ma chambre, tu sais où c'est. T'auras pas besoin de frapper. Allez. Bah ouais, mais que j'ai pas le droit de sortir. Après, c'est étonnant que je passe les journées à jouer à Roblox, Fortnite et tout. Oh, fin d'événement 5 sur 5. Maman est fâchée. Ah, il faut chier. Ah non, ça c'était la carte bleue, ça. Okay. Ah, c'était une fin spéciale. Waouh, stylé. Ok, alors, on va aller faire un tour dehors maintenant qu'on sait que on a la clé. Ça, c'est bien ça. On va pouvoir aller se balader pendant que maman dort. Bien sûr, si on fait pas tomber la lampe. Hein. Ok, alors, on va aller faire un tour là. Let's go, hey, salut hein. Oh, le rat et tout. Waouh, mais c'est si grand. Centre d'adoption. Attends, salut. Je peux avoir un petit frère? Oh, la thune. Waouh. Trop stylé. Attends, je peux vraiment y aller ou pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai la fin adoption. Oh, je vais me faire adopter. Je me suis fait adopter parce que j'en avais marre de ma maman. Et là, du coup, j'ai eu la fin adoption, c'est ça? Ah ouais. Tu t'es fait adopter. Ok. Alors, attends. J'ai vu qu'il y avait une astuce avec le cupcake. Le petit gâteau, là. Voilà. Et si tu manges, et après, tu vas sur le PC, apparemment, il se passe un truc. Ma chambre, elle est là, je crois. Ouais, ça, c'est ma chambre. Ok, donc là... Oh, il y a un étranger qui me parle. Salut. Salut. Aimerez-vous nous rencontrer? Non, je veux pas te rencontrer en fait. Non, non. Ouais, mais j'ai des cupcakes, je sais aussi où tu habites. Je ne veux pas te rencontrer, pas du tout. Je suis devant votre maison. Quoi? Mais c'est quoi ton problème? Il est sérieux? Y'a quelqu'un devant chez moi? Attendez. Je vois personne. Je vois vraiment personne. Parce que ouais, c'était marqué sur le post-it, ne pas aller manger, n'allez pas sur le PC après. À manger. J'ai besoin d'une clé. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai, j'ai un peu besoin de la clé, oui. On va aller chercher la clé. Ok. On va aussi aller prendre de quoi se défendre, non? C'est probablement les clés de la porte d'entrée. Oui, bah oui, oui. Ok. Génial. Ah! C'est lui? Attends, mais est-ce que t'es le gars à qui j'ai parlé? J'ai déjà appelé la police en fait. Non, attendez. Oh, il s'est barré. Il est parti. Il s'est fait arrêter par la police. C'est ce que tu mérites. Yes. Oh là là. Attends, mais la police sont arrivés en un éclair. J'ai rien vu. La fin attrapée. Wouah. Ok, la police la plus rapide du monde, ouais. Je peux pas genre aller me coucher. Parce que j'ai vu que je pouvais pas me reset, mais Non, Charlie, j'en ai marre d'aller prendre ma maman, c'est bon, c'est pas l'heure de faire une blague. Je suis crevé, mec. Allez, je vais me coucher. Oh, si je peux me coucher. Eh, Charlie, je ne le fais pas, allez, va pleurer. Ah, pathétique. Hop là. Ah ouais, ça c'est la fin facile, ouais. Voilà, j'ai eu la fin sommeil. Excellent, l'amitié est terminée. On va aller voir ce qu'il veut le rat, là, attends. On va aller prendre la clé.
Ça, c'est la base. Voilà. Je suis sûr, il y a un truc à faire avec la cheminée aussi. Hein. Boum, boum. Hein? Pourquoi je vois plus rien? Qu'est-ce qui se passe? Mais. Allô? Pourquoi je vois. Oh, tu étais si proche. Mais je vois rien! Je ne suis pas aussi grand que toi! Mais qu'est-ce qui se passe? Eh, tu dois juste te faire confiance. Comment ça? Mais tu dis toujours que je ne suis pas assez bon! Eh, certainement pas! Je ne l'attraperai probablement même pas! Attends, c'est le développeur qui me parle? Même si vous n'étiez pas assez bon, vous devriez toujours être resté positif. Quoi? Genre, il me félicite parce que j'arrive à bien blaguer. Faire plein de blagues de ma maman? Ah, où c'est mon. Merci, tu es le meilleur. Oh, c'est mon papa qui pue là! Oh! Oh, c'était beau, je trouve. Ouais, c'était beau quand même. Alors attends. Je voudrais aller dehors en fait. Allez dans la chambre de votre mère. J'ai vraiment pas le choix, je peux pas aller dehors? Ah, c'est bon, ah, c'est bon, je pouvais me barrer. Ok, trop bizarre. Oh. Ça va toi? Tu veux quelque chose? Oh, je peux pas lui parler. Ah si. Oh, un petit gars! Il est mignon ce raton. Il écrasait ton crâne dans le seau, à moins que tu lui donnes des raisins. Ah bah des raisins, j'en ai justement, ça tombe bien. D'accord, je sors. En fait, il est pas si mignon que ça, il m'a éclaté la tête. du raisin. Oh bah du raisin, mais attends, mais oui! C'est les raisins. Ah, tiens, tu vas avoir du raisin, tu vas en avoir du raisin, mon pote. Alors le problème, c'est que. C'est où le raisin? Ah oui, il était là-bas, je crois. Voilà, à côté de la fenêtre. La maison est si grande! Hop là! J'espère qu'ils sont pas empoisonnés! Oh oh! Tiens! Et toi? Le raton laveur! Ouais! Je vais te donner un airhorn pour ton raisin! C'est quoi un airhorn? C'est pas un mégaphone! Ah ouais, je vais prendre ça! Oh, mais attends, mais pour blaguer avec maman, ça va être trop bien! Ok, cool, et merci pour l'accord! Ah, let's go! Eh, je vais pouvoir prendre maman avec ça! Attends, par contre, le problème c'est que. Je pourrais pas prendre la clé. Oh non, je pourrais pas prendre la clé en même temps! Parce que je suis trop bête pour avoir des poches! Allez, le klaxon! Tu vas avec le klaxon! Attends, t'en veux un et hop là! Waouh, je suis pas encore allé. Oh, il y a un canard là-bas. Non, mais attends, mais c'est genre super hein? Oh, j'avais pas vu la maison! Ah, je peux pas aller par là. Dommage. Je peux pas aller de l'autre côté. En vrai, je vais embêter toute la ville avec mon klaxon! Venez là! Je vais klaxonner, tiens, viens là, toi! Aïe! Je me suis fait écraser par une voiture! Voilà, c'est cadeau! Hein? Voilà, c'est bon. Ouais! Yes! Yes! Je vais pouvoir les protéger, maman! Hop là, maman! Je vais pouvoir l'embêter de ouf! Ouah, elle va pas kiffer, je pense. Regardez! Maman! Maman, tu dors! Maman! Maman, c'est l'heure de te réveiller! Ouais! Quel était le but de faire ça? Eh, c'était de te faire une blague! Oh, c'est juste une blague, maman! Ne prends pas tout ça au sérieux! Elle a pas l'air bien. Je dois prendre soin de toi tous les jours, c'est comme ça que tu me rembourses! Je te rembourse? Mais attends, je suis ton fils quand même. Quoi, qu'est-ce que. Oh oh. Oh, le dessin il fait flipper derrière! J'avais pas vu! Libé! J'espère que tu t'es bien amusé avec cette. Ce mégaphone. Ah! Un homme dans les mains! Non, non, fais pas ça! Elle m'a déchiré les oreilles. Mais vraiment, pour de vrai. On va aller prendre l'autre, Reza? Ça se trouve, ça fait la même. Ok, ok. Bah, à mon avis, s'il y a de la thune, c'est qu'il y a un magasin aussi. Hein. Il faudra se balader dehors, je pense. Ok. Ouais! Tiens, c'est pour toi! Et tu es? Ouais. Je te donne. Un Colgate pour ton raisin? Je suis à court dentifrice. Allez, bien sûr! Tiens, et merci pour l'accord. De rien, mon gars. Ah, j'aurais une bonne haleine de menthe. Bon. Mais ouais, quelle idée de manger le dentifrice aussi, là! Allez! Ne bois pas le Colgate, c'est très mauvais pour la vie. On va aller se balader un petit peu. On va faire attention aux voitures aussi. Ok, donc là c'est bon. On traverse. On regarde bien en traversant. Oh, c'est un magasin, c'était ça que j'avais vu tout à l'heure!
Let's go. Oh, une poubelle. Ok. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je peux juste aller faire les poubelles. Ok, cool. Wow. Among Us Burger. Essaye maintenant. Je veux trop essayer le jeu. Oh. Pas grand chose à vendre ici. Qu'est-ce qu'on a? Sandwich empoisonné. Ok. Peluche Miko. Hot dog. D'accord. Il y a tellement de trucs. Un lance-roquette. N'utilise pas ça sur... Oh, sur maman, je l'utiliserai. Ok, tête de raton laveur. Du coca. Un portefeuille. Je devrais partager ça avec Gary. S'il le fait pas, il pourrait peut-être avoir le portefeuille. Oh, je vais le garder pour moi, non? Oh, je le garde pour moi. Ah, Grégoire. Tu sais que je peux voir le portefeuille là-bas. Ah oui, c'est lui, Grégoire. Il a un pif dans le nez. Eh, je vais juste le dire à ta mère ou quelque chose. Non! Ne dis pas, s'il te plaît! Pour la peine, je vais voler ton lance-roquette. J'ai pas la thune, mais je vais quand même le prendre. Mais on ne demandait pas pourquoi nous vendons ça! Hop, on va voir s'il voit vraiment tout. Allez hop, salut! Allez hop, merci pour l'ance. Eh, c'est stupide de ta part en fait! Oh non, il m'a attrapé! Il m'a amené en prison! Pour ma défense, j'allais l'utiliser pour pranker ma maman. Qu'est-ce que tu voudrais pas sortir? Qu'est-ce qu'on dit pas pour sortir de prison? Non mais c'est vrai! Je vais dire à ta mère ce que t'as fait pour qu'elle puisse venir te chercher. Oh non non mais je préfère rester en prison, j'ai pas besoin de voir ma mère, t'inquiète. Non s'il te plaît, ne lui dis pas! Ou dis-lui, j'allais juste faire une blague, d'accord? Ne dis pas que j'allais faire une blague! Aïe aïe aïe! Ah, fin prison. Ah bah c'est... Bah, super! Je rends un avocat! Wouah! Tous les trophées! Trop bien! Il est bien celui-là. Alors... Elise, alors attends. Donc là, il me faudrait. Comment dire? Il me faudrait de la thune. Il me faut 80 de thune, mais c'est énorme! Alors déjà, on va prendre ça. Et on va aller ouvrir la porte de maman. Parce que si j'achète le lance-roquette. Et que j'arrive ici, fièrement, sans avoir ouvert la porte, je dois le jeter à la poubelle. Voilà, donc ça c'est fait. Y a pas de thune ici? Y a pas de thune. D'accord, j'ai fouillé les placards, y'a rien. Il me faut 80$. Ah, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Oh, oh, Foxy, on va le laisser. Voilà. Je sais pas si je peux voler le portefeuille plus grand des calmes sans problème. On va voir si j'ai déjà assez d'argent de base. Et sinon, tant pis. 54$. Peut-être qu'avec le portefeuille, ça va suffire. Poubelle, là, y'a rien. Je vais réussir. Alors. Bienvenue au Market Blocks 58. Est-ce que je vais avoir assez? Il me faut vraiment beaucoup de thunes. Bon, ça, je vais le prendre. 88, let's go! Garde-le pour toi. Je l'ai dit en ce mur. Ouais, non, non, mais c'est pas grave. Je vais t'acheter un 104, tu vas être content, t'inquiète. Oh yeah! Attends, c'est marqué quoi? Littéralement, lance-roquette. 99% de réduction. Excellent! Ok, ok. Y'a un truc de marqué là aussi. Ceci, on fait mourir quelqu'un. Ah, donc je peux aussi faire une blague avec les trucs. Fabricant de chaleur. Ah, oh, c'est le truc pour le pote ça. Bâton inflammable. Ne le faites pas. Bah tiens, c'est cadeau. Cet objet coûte 80. Parlez-moi à nouveau pour l'acheter. Bah ça tombe bien, je suis là en fait. Gary est heureux de travailler chez Cabisto. Merci, je suppose. Ouais, yes. Oh, je peux tirer dessus. Pourquoi tu m'as réveillé? Parce que j'ai un lance-roquette. Hé, hey, maman, souviens-tu des fois où tu m'as traité comme de la poubelle? Ouais. Tu ferais mieux de ranger ça. Tu vas faire quoi, hein? Et si je le fais pas? C'est ta dernière chance. Ah vas-y, bah hein? Allez, salut, maman! Boum! Lance-roquette! J'ai eu la fin, lance-roquette! La violence, c'est pas forcément toujours la meilleure des réponses. Je pense qu'il y a une fin au moins par objet dans le magasin. Attends, c'était par là. Ouais, c'était par là. Eh, je peux pas fouiller les boîtes des autres. Ah non, je crois que je peux pas y aller là-bas. Il y a un mur invisible. Regarde. C'est quoi là-bas? C'est marqué quoi? Pario. Ok. C'est marqué pas Mario. Ok. C'est le frère de Mario, Pario. Ok. C'est son cousin version Wii. On peut faire un truc? Oh! Voiture canard conduire? Non! Allez, salut, je me barre! Oh, un canard! Bon, j'ai pas de permis de conduire, mais monter sur un canard, c'était pas aussi difficile, non? Yes! Ah,
J'ai eu un accident en voiture, d'accord, je l'ai mérité. Eh ben ouais, j'ai eu la faim, canard. Allez, la brique rouge de la mort des hobbies. Oh, let's go. Let's go! Il fallait pas marcher dessus. Fin brique de meurtre! Bah tu n'aurais pas dû y aller! Oh! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Y'a un papier? Scène? Qu'est-ce que... Scène de quoi? Cet endroit semble familier pour une bonne raison quelconque. Mais pas d'une bonne manière. C'est un coup de VLC? Ah! Non, tu te moques de moi, je suis dans les backrooms! Je suis dans les backrooms! Je vais devoir trouver un moyen de sortir d'ici là! What? Et là, ça y est, j'ai la sortie, c'est juste derrière le début. Mais t'es sérieux? Mais non. Ok. C'est marqué quoi? Sortie des backrooms! Oh bah ça va, c'était facile en fait! Wouah, le long couloir infini! Attends, c'est vrai, c'est vraiment la vraie sortie? Je le sens pas. Je pense que c'est une prank. Non mais attends, mais... mais attends, mais la sortie elle est genre méga loin. Non. Ah! Un monstre des backrooms! Eh ben, je suis foutu, bah c'est génial. Oh non! Mais non! Mais sérieux, j'ai eu la fin backroom! Oh les amis, je suis de retour avec l'autre là, l'étranger qui m'a amené dans son pit là, le monde bizarre là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a des flammes partout? Ok, donc ça veut dire qu'en fait ici tu peux revenir avec une bûche. Et genre avec le feu là-bas, tu peux certainement allumer la bûche là que t'as dans le magasin. Et du coup aider ton pote là. Wow, mais attends, mais c'est trop bizarre ici là. Je suis perdu. Est-ce que je suis vraiment perdu là? Qu'est-ce que... Wow, mais attends, je crois que je suis jamais venu ici là. Ça me dit rien. C'est pas genre que mon pote est là-bas. Ah ouais, si, mon pote est là-bas. Ok, il y avait un autre chemin. Ouah, mais c'est un vrai labyrinthe ici en fait, hein. On va essayer d'aller à gauche là tout de suite. Parce que je suis pas encore allé là-bas là. Ouais, ici là, je suis pas allé, il me semble, hein. Parce que là, de l'autre côté là-bas, c'est pour revenir. Il y a un truc ou pas ici? Ah, attends, c'est quoi? Oh! Il y a une console? Qu'est-ce que c'est, une télécommande? Contrôleur? Ah, si j'étais un nerd, j'aurais su ce que c'était. Mais ouais, j'imagine que bon, c'est un jeu, donc je vais essayer de faire le meilleur. Ok. Faire le meilleur score. Ça roule. Ok. Faire quoi? Ah! Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi? Mais c'est que des jumpscares. Attends, mais c'est quoi le but du jeu? Ah, il faut passer ta souris. Attends, genre... Ah oui, d'accord, j'avais atteint la fin. Ok, mais c'est horrible comme jeu. Mais en fait, c'était un jeu qui était complètement bugué. Wouah, j'ai tellement mal à mes oreilles maintenant. Mais de fou. Mais c'était quoi le but d'avoir fait ça? À part faire peur, c'était que des jumpscares. Ah super. Le jetscare de fin. Ok, non, ça va, celui-là il était drôle. Ok, j'ai obtenu la fin de l'événement jumpscare. Waouh, c'est tellement rétro gaming. Waouh, regardez, il me reste tellement plus beaucoup de fin à voir, excellent. Alors, je voulais voir aussi un autre truc. Avec voilà, le capitaine qu'on va manger, bien sûr. Et là, on va essayer de retourner directement dans... Non, pas dans la machine à laver, non, mon PC est pas là. Au niveau de mon PC. Vous savez, avec l'étranger là, voilà, tu nous parles. Pour dire qu'il est là, tout ça et tout. Et du coup, en fait, apparemment, il est vraiment là, apparemment, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, alors c'est censé me faire peur, mais... tout à l'heure, je l'ai pas vu à la fenêtre. Mais apparemment, il est vraiment là, je crois. Hein. Attends, mais c'est bizarre. Non, c'est pas là. Je peux pas, genre, le voir à la fenêtre, là. Vérifier. Ah! Non, mais je l'avais pas fait arrêter, lui! Oh là là, mais les jumpscares! J'ai eu la fin dangereux! Oui, c'est ça! Danger, étranger! Aussi, ce gars aime les cupcakes! Voilà, waouh! Je vais aller voir Gary. On va aller voir Gary. Alors, attends, là, si je prends le portefeuille, je peux pas le prendre? Attends. Alice me dit que. Pourquoi? Attends, pourquoi? J'en travaille ici 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Bah ouais, mais je suis au courant, Yewar. Et t'es sûr qu'on t'a demandé de venir ici? Est-ce que tu veux prendre ta maman encore une fois? Ouais, je veux bien, ouais. Absolument. Est-ce que t'aurais une idée, genre, pour la prank? Il me manque une seule blague à lui faire. Attends, ça dépend, est-ce que tu veux partager cette prank? Attends, comment ça? Ouais, j'imagine. Attends, le portefeuille, je peux rien faire avec? Ok, si je te donne de l'argent... Ok, d'accord, ouais, donc c'est ça. Ok, on va pouvoir faire une prank avec lui. Ok, mais pour ça, il faut lui donner de la thune. C'est ça qu'il veut? S'il a parlé d'argent, donc... Ah, j'ai besoin d'un mégaphone. J'ai déjà vu un mégaphone dans les poubelles, est-ce que nous tiendrons? Oui. On ira le chercher, il y a peut-être moyen si t'as des piles. Attends, mais... Sérieux? Mais attends, mais... What? Donc là, on va les pranker à deux, ma maman, quoi. Mais let's go. Allez, c'est parti. On va prank ma mère. On peut prendre le mégaphone? Oh oui. Alors, attends, avant de le prendre... Je l'ai pas pris, hein. Let's go. Je viens d'avoir l'idée de fou, là. Il va falloir peut-être que j'ouvre la porte de ma mère. Parce que sinon, je vais encore me retrouver Kiblou. On va prendre la clé. Fais pas de bruit, hein, ok? Oh, t'inquiète. On va prendre ça. Voilà. Ça, c'est ma clé. Et on va aller récupérer le mégaphone après dans les poubelles, t'inquiète. Mais avant, on va d'abord ouvrir la porte. Ok. Voilà, c'est bon. Pourquoi Veruta est même sa chambre? Mais pourquoi? Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi elle ferme la porte? Tu penses à ce que je pense? Oui. On va aller chercher le mégaphone. Il est plus là? Attends, genre, il l'a pris avec lui? Mon pote, il m'a pas suivi, hein. Ça m'inquiète, hein. Je vais prendre ça. Ok, c'est parti. Je peux le prendre? Mais tais-toi! Je veux prendre le mégaphone! Oui, c'est bon! Oh, il est énorme celui-là! C'est le moment de la prank! Oh oh. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? maman! Allez, salut, hein! Non! Vous allez pas partir d'ici! Gary! Quoi, Gary, qu'est-ce qui se passe? Ah! Il a fait! Elle a fait quoi de Grégoire? Ah, d'accord, je sors! Non! Je peux pas sortir! Tu penses vraiment que tu peux m'échapper? Non, il y a un mur invisible! Maman, j'insiste! Non, mais c'était Grégoire, c'était son idée en fait de te prendre! Hein? Hein? Eh, mais c'est moi! What? Mais qu'est-ce que je fais là? Bienvenue à The BQ Shinobi Show! Et bonjour tout le monde et bienvenue dans The BQ Shinobi Show! Aujourd'hui, nous avons deux participants qui veulent certainement être ici. Oh, je vais affronter ma mère. Regarde-moi dans les yeux. Lémi, viens ici maintenant! Oh là, non, mais ça va, l'homme, hein, t'inquiète. On dirait que ces deux contestants sont prêts à mettre de la terreur. Ok, mais comment ça se fait qu'il y a un show Je peux avoir des indices? C'est quoi les participants là? Lemster? Ok. Le but de ce game show est de survivre. C'est un sucre le truc en costard. Regardez le présentateur. Ok. Et si je win, si je gagne, qu'est-ce qui se passe? L'autre va mourir, c'est ça? J'imagine que oui, c'est ça. Ok, il va survivre. Bon, très bien. On va commencer avec la hobby de la terreur. Regardez devant. C'est par là que ça se passe. Ouah ! Quoi ? C'est trop facile. Je n'ai peur de rien. Ouais, maman, c'est ce qu'on va voir. On va voir si t'as du skill ou pas. Allez, c'est parti. Faut que je trouve ça plus drôle. Ok. Allez, il va falloir trouver le moyen de passer de l'autre côté. Ça va le faire. Ok, faut se concentrer. En hobby, je suis bon. C'est quoi là-bas ? Il y a un code ? Qu'est-ce que c'est ? Ok, attention, ça commence en 3, 2, 1, les villages, c'est parti! Oh la maman! Heureusement, c'est la hobby la plus facile! Let's go! Allez, c'est parti! Il y a un calcul! Qu'est-ce que 44 plus 24? 88, c'est ça, hein? Ça fait 68. 68. C'est correct! La maman, elle est en train de faire la hobby aussi. Il me reste 58 secondes, c'est bon! Ok. Munition de lance-roquette. Oh, je dois tuer la maman avec ça. Oh, on dirait qu'on a un gagnant. Ouais, yes. Et le... Attends, quoi? Et la personne qui a gagné est sûrement pas la personne qui fait le plus peur. Haha, t'es nul, maman. J'aime bien, c'est écrit munition lance-roquette. T'as même pas les munitions, quoi. C'est vraiment écrit sur un post-it, sur un papier. Et c'est comme ça, hein. Je vais prendre des munitions dans leur enquête moi aussi. Vite! Il faut l'arrêter! Elle a perdu, c'est pas juste!
Attendez, ce n'est pas les munitions de leur roquette. Pouvez-vous penser vraiment que nous donnerons les munitions de leur roquette plus facilement? On les dégoûté. Elle va péter les plombs. Ouais, en fait. Allez, on s'en moque. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes d'être venus. C'était super. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, j'imagine que vous rentrez chez vous maintenant. Ah, d'accord. Et vous allez nous téléporter, d'accord, comme ça, sans instruction, rien du tout. D'accord, je vais juste... Hein? Oh! J'ai été téléporté chez moi! D'accord, et Ah! La porte est fermée! Hé! Hey maman, où la porte? Tu m'as vraiment rendu furieuse. Très bien, bah je vais pleurer alors. Je vais crier. Essaie d'ouvrir cette porte encore une fois et je te défie. Je ouvre la porte, je... Ah! Elle est derrière la porte. Je la vois pas. Pourquoi tu te la joues comme ça? Allez, s'il te plaît! Laisse-moi sortir! Tu vas peut-être avoir un truc. Pas de réponse. Bon bah je suis bloqué. Peut-être que Max pourrait m'aider, mon frère, à ouvrir la porte plus tard. Pas quelqu'un qui pourrait m'aider là? Oh! Et j'ai eu la récompense! La fin ultra prank! Oh! Let's go! Yes! Je suppose? Attends, mais du coup, il se passe quoi? Attends, mais genre je suis coincé? Non, parce qu'elle m'a coincé dans mon... Oh, j'ai tous les succès, j'ai toutes les fins! Oh! Oh, tu es de retour. J'ai eu toutes les fins de Prank Your Mom! Et la porte est ouverte! Oh, regardez la ultra prank! Excellent! Reviens plus tard. Attends, comment ça? Tu pourrais peut-être aider Libby à sortir d'ici. Comment? La porte est verrouillée, hein, toujours. Hein. Donc là, il faut que je trouve le moyen de sortir. Y a pas l'air d'avoir de moyen d'ouvrir le portail. Bon, mais il me reste plus qu'à aller dormir. Y a que ça à faire. Hein. Très bien. Bon, bah, je vais dormir jusqu'à temps que Max vienne m'ouvrir la porte. Allez. Et bonne nuit, les potes. Voilà. J'espère qu'en me réveillant, Max va m'ouvrir la porte. Mais j'espère aussi. Parce que, ouais, il est en train de bien dormir aussi, lui. Hein. Bon, bah... J'espère qu'il va m'ouvrir la porte. Sinon, je vais être coincé dans le garage. Non, la porte est encore fermée. C'est pas possible. Oh, j'arrive pas à dormir. Il est quelle heure? 15h. Waouh. J'espère vraiment que Max va ouvrir la porte bientôt. Bon, bah, je suis coincé ici. Oh, j'ai eu une autre faim. Attends, je vais me recoucher. Hé, hey, Max. Tu pourrais pas aider pour ça? Et que... Quoi? Oh bah ça. Est-ce que t'es vraiment sûr? Mais je dors vraiment bien là. J'ai pas envie d'aller aider Lise. Bon, d'accord, j'imagine. Allez, bon. Oh, Max. Bon. Allez. C'est le moment d'aller l'aider. Wow! Attends, c'est-à-dire? Qu'est-ce que... On peut peut-être l'aider avec Max? Ok, je suis là pour ça. Enfin, j'imagine. Attends, mais comment ça, Max, il va venir m'ouvrir, c'est bon? Attends. Hein? Oh! Oh, je suis Max! Oh, c'est trop stylé! Ah, c'est quoi ce bruit? On dirait que maman a bloqué Libby. Je devrais peut-être aller voir, jeter un coup d'œil. Oh! Trop cool! Oh! Génial! Et là, du coup, je... Qu'est-ce que c'est que cette clé? Ok, je peux pas la prendre. Attends. Hé, hey Alice, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Alice? Oh, finalement, y'a quelqu'un qui vient me sortir de là! S'il te plaît, la porte, elle est fermée! C'est maman qui m'a enfermé! Attends, mais y'avait vraiment une raison pour qu'elle t'enferme ici ou quoi? Ah, c'est une longue histoire! Et maman est vraiment en colère! Et elle m'a enfermé dans le garage, là, du coup. Ok, ouais, bon, j'écouterai ça plus tard. Allez, tais-toi! Et maintenant, on va m'aider! Oui, bah, je sais. Alors, il faut que je trouve la. Oh, la clé, elle a bougé là-bas. Ok, t'aurais pas vu la clé quelque part? Elle est probablement dans la chambre de maman! Ah! Ok, donc maman a pris la clé du garage.
Bon bah on va aller libérer, me libérer hein. J'espère qu'elle a pas fermé la clé sa porte. Bah non mais normalement c'est ouvert. Ah non la porte est fermée. Rien qui change là. Ok il faut que je trouve la clé de la chambre qui a bougé hein. Donc elle est pas ici. D'accord hein, ça c'est ma chambre. C'est ma chambre à moi ça. C'est verrouillé. La porte est fermée. C'est ça la clé. Ouais, c'est la clé de la porte. Ok c'était sûrement ça. La clé de la chambre de maman. Let's go. Pas faire de bruit. Oh horrible la tête. Oh oui la clé du garage. Yes. On va pas réveiller maman et on va sauver Lise. T'inquiète Lise, j'arrive tout de suite. Hop c'est bon. Ok. Allez, on va rouvrir la porte. Oh merci. Mais comment tu vas ouvrir la porte? Est-ce que tu peux l'ouvrir? Bah en tournant l'extérieur en fait, la clé dedans. Yes. Ouais. Attends mais qu'est-ce que tu fais? Elle est trop contente de me voir. Oh le chala, c'est beau. Oh merci vraiment de m'avoir aidé Max, merci beaucoup. De rien Livy. Oh là là. Même si tu m'as appelé Lise tout à l'heure. Non mais c'est pas grave. Alors voilà, on est là maintenant. Quoi, t'aimes pas, t'aimes vraiment pas les câlins? Bah ouais ouais si si mais là j'avoue que je m'y attendais pas là. C'est quoi ça? Ah oui. Ok très bien, bon allez hein, bonne nuit hein. Ouais, bonne nuit Libby. Ah. Et là du coup je peux aller me coucher? Genre tout va bien, c'est en mode bon allez hein, une bonne nuit de sommeil. Ah. Bon j'espère que je vais rester à dormir après ce qui vient de se passer. Bon ça va hein, j'ai pas fait grand chose hein. Allez, ah, bonne nuit les amis. Ah. Oh, j'ai eu la fin. Slimwing. La patience est la clé, n'est-ce pas? Oui, totalement. Oh, mais attends, mais... Hein? Oh, et du coup, c'est une nouvelle version de Prank Yourmem. Enfin, j'imagine. Ah. Ah, oh, c'est le jour. J'imagine que Lise est partie. Enfin, j'en sais pas. Oh, il y a des nouvelles phares! Rendez-vous à Libby! Oh! Oi! Mais ça a changé dehors! Let's go! Clé de porte. C'est celle-là? Ah, mais non, c'est la porte de la chambre, ouais. On est d'accord. Oh, let's go! Trop bien! On peut aller. Attends, mais il faut absolument. Voilà, la porte s'ouvre. Oh, maman, elle est partie! Ok. Ouais, en plus, il y avait vraiment rien d'intéressant là-dedans. Hein, c'était. Je vais réussir, hein, vu qu'elle est partie. Hein, elle a peut-être laissé un truc, non? Rien du tout. Oh, maman, elle est partie du coup! Incroyable! Est-ce que je peux aller récupérer une clé là-dedans? Ouais, elle est là! Regardez ça! Oh, c'est trop stylé! Mais ça ouvre tellement de nouvelles aventures! Mais c'est génial! C'est génial! Et la voiture est là et tout. Oh, et le raton est là aussi. Ok, attends, le raton. J'ai un cadeau pour toi. J'ai vu, tu avais encore mon raisin. Moi aussi j'ai envie d'aller prendre du dentifrice, voilà. Et bah voilà, bah les amis, bah écoutez, on va du coup s'arrêter là pour Prank Your Mom. J'ai fait toutes les fins possibles. Comme ça vous savez comment faire, j'espère en tout cas que ça vous aura extrêmement plu. Regardez, c'est trop cool. On aura fait toutes les blagues possibles de ma maman. Mais j'avais pas vu ça, mais c'est énorme, cet arbre géant. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, les amis, un maximum de pouces bleus. Parce que maintenant, vous aussi, vous saurez comment blaguer, hein, comment faire des énormes blagues de prank à votre maman, voilà. Et bien pour ça, on va aussi également, hein, bien sûr, donner ça au raton. N'oubliez pas aussi également, les amis, à vous abonner bien sûr à la chaîne. Et toi? Oui, moi? Qu'est-ce que... Je vais te donner une potion étrange. Hein? Il vient me donner autre chose? Attends, mais c'est trop bien! Une potion étrange, tu dis? Attendez, les amis, je veux tester ça avant. Attends. Bien sûr! Mais t'inquiète, te fais pas de soucis. Wow! Et merci pour le cœur! Pas de problème! Oh, j'ai une potion! Oh, ça va faire quoi? Je vais exploser? Je goûte ça un petit peu? Oh, bah ça va en fait, il se passe pas grand chose. Bah, c'est juste ça? Oh! Je me sens bizarre. Mes amis, je me sens vraiment bizarre, les amis. Oh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.